Pointe Noire, poumon économique du Congo, est aussi connu pour son brassage culturel. Au quartier populaire de Fontiétié vit un orchestre pas comme les autres. Le Tempo Musique, un groupe de jeunes artistes qui se caractérise par l'originalité de leurs instruments, exclusivement composés d'objets de récupération. On ramasse tout dans les poubelles, les pots de peinture, les couvercles, les sacs avec lesquels les femmes font le marché. On récupère aussi des objets en caoutchouc et avec tout ça, on fabrique nos instruments. Autre particularité de l'orchestre, la batterie gérée par une fille, Michina, qui se passionne pour cet instrument depuis ses 2 ans. Ma mère souhaite me voir continuer dans la musique, mais mon oncle s'y oppose. J'ai dit à mon papa, non, vous avez refusé que je joue au foot. Laissez-moi faire la musique, c'est mon don. Vous savez que Werason a commencé la musique aussi jeune que moi et il a grandi dans cet art. Tous scolarisés, ces musiciens profitent des week-ends et des vacances scolaires pour vivre leur passion dans les principales artères de Pointe-Noire. Et grâce à leurs propres compositions ou des reprises de grands noms de la musique africaine, ils ont réussi à conquérir leur propre public. C'est quelque chose de génie, parce qu'ils ont vraiment, avec des petits trucs seulement, ils ont su faire quand même un orchestre pareil. Les roga-roga ont commencé comme ça dans le quartier à Ouenzé. Donc ces enfants-là, c'est les moyens qui manquent. S'il y avait des moyens, vraiment, c'est les enfants à progresser. Et c'est justement le problème de ces jeunes qui ne gagnent qu'entre 8 000 et 15 000 francs CFA par sortie, voire 25 000 pour une invitation. Trop peu pour leurs ambitions. Notre groupe n'avance pas. On a commencé en 2011. À l'âge de 6 ans, nous voici en 2018. Mais rien n'a évolué. On a besoin d'un soutien pour jouer sur de vrais instruments comme les occidentaux. On veut aussi être connu et voyager hors du pays. Ces artistes en herbe ont déjà composé près d'une quinzaine de chansons. Ils rêvent désormais d'enregistrer un premier album et se lancer à la conquête du monde, à l'instar d'orchestres mythiques africains tels que le Wenge Musica de Werason ou encore le Quartier Latin de Koffi Olomide.